YouTube aujourd'hui, je vais faire une vidéo. C'est normal, elle est pas dans la pile. Ok, je vais vous montrer comment changer l'ancien curseur. Sinon, vous installez Blockstrap. Mais regardez une vidéo parce que je sais pas si vous pouvez lire. Alors, d'abord, vous cliquez droit sur ouvrir l'emplacement du fichier. Jusqu'à ce que vous êtes là, vous allez sur Content, Texture, et jusqu'à quand vous êtes là, alors, pour voir comme ça, vous cliquez droit, alors, vous avez affiché, mettez moyenne, pour comme ça, vous voyez très bien. Alors, quand vous êtes là, vous copiez les deux trucs, c'est comme la même, mais sur Windows. Alors, vous allez sur curseur. Attendez, je vais trouver curseur. Alors, vous allez sur keyboard mouse. Et là, c'est la même. Mais vous devez les enlever le truc et tout. Et l'autre de là, ça va faire. Et jusqu'à quand il y aura l'autre comme ça, avec le tout petit doigt, faites vite en supprimer. Après, pour l'instant là, vous refaites. Après, quand vous avez refait, vous recopiez là et vous revenez sur le curseur et keyboard mouse. Et après, et comme ça, vous copiez comme ça. Cliquez droit, vous remplacez. Ok. Ok, si vous avez plu la vidéo, allez.